Bonjour Henri. Alors, dites-moi, vous avez plus de 90 ans, vous habitez Quimper et vous faites encore du vélo. Oui. Oh, mais ça fait combien de temps que vous faites du vélo? Vous avez commencé à quel âge? 7 ans. À l'âge de 7 ans? Oui. J'ai même une histoire à dire. Nous étions une famille de 7 enfants, finalement, il y avait le plus jeune. Et j'étais le premier à demander un vélo et j'ai insisté, insisté, et finalement j'ai eu mon vélo. Et alors, lors de la dernière guerre mondiale, c'est un général allemand qui a habité dans notre maison. Et quand il a dû partir, on a retrouvé la maison vide, et je me suis dit, voilà, ce général s'est enfui sur mon vélo. Mais c'est pas trop difficile de circuler à vélo à Quimper? Non, moi je trouve que c'est très facile. Ah oui? Oui. Il y a des pistes cyclables. C'est souhaitable. C'est souhaitable d'avoir plus de pistes cyclables. Oui, vous Oui, aimeriez bien qu'il y en ait plus. là où il n'y a pas de pistes cyclables, on aimerait bien en avoir, quoi. Ah Mais oui. peut-être les seules rues qui sont suffisamment larges, on peut faire des pistes cyclables. Ouais. Et vous n'avez pas peur de faire des chutes ou peut-être que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs? Ah, moi, je fais plusieurs chutes par an. Ah, d'accord. Et je recommande le casque. Ouais. Alors, il y a. Moi, comme je faisais souvent des chutes, enfin, des petites chutes, et tout ça, pendant, je me dis non, il ne faut pas de casque. Mais ma belle-fille, elle est tombée dans les Alpes, elle m'a dit, papa, elle était à l'hôpital et tout, et papa, il faut vraiment que vous mettiez un casque parce que ça m'a sauvée. Oh, moi, je dis non, je n'ai pas besoin. Mais finalement, comme elle insistait, je dis, eh bien, écoute, pour te faire plaisir, je m'engage à le faire. Eh bien, un 1er janvier, il y avait plus 3 degrés, je ne pensais pas à du verglas, et à Kerfeuintein, sur la hauteur, je tourne, mais il y avait une petite bosse, et ma roue arrière a continué tout droit, et j'ai été flanqué en arrière, et j'ai tapé sur le sol avec mon casque, vraiment très Oui, là, fort, vous avec étiez la bien tête. content de Alors l'avoir là, je me risqué. suis dit, heureusement que j'avais accepté de mettre un casque. Ah Et oui. depuis lors, je recommande à tout le monde de mettre un casque. Et le gilet jaune, vous le portez tout le temps aussi. Mais je tiens à être bien vu. Et ce n'est pas de l'orgueil. Hein. C'est sûr. Oui. ouais. Alors, en association, je crois que vous faites partie de l'association Kerna Vélo à Oui. Quimper. Oui. Et qu'est-ce que ça apporte de faire partie de cette association-là? Moi, je suis membre pour les soutenir, hein, mais ils cherchent à faire bouger les choses, justement, avoir des pistes cyclables, améliorer les conditions pour les vélos. Et je recommande aux gens de vraiment s'associer à ça, parce qu'ils ont besoin de membres pour pouvoir faire plus d'actions. Voilà. Et je crois qu'ils permettent aussi aux personnes de réparer leur vélo, ils donnent des conseils sur la Ah oui, réparation. ils ont un atelier, mais qui n'est pas ouvert tous les jours. Hein, c'est ouvert, je crois, 2 ou 3 fois par mois. Et on peut aller avec son vélo, et il y a deux techniciens là, et ils vous aident pour réparer, mais c'est à soi à le réparer, ils ne le font D'accord. pas pour vous. Hein. D'accord. Oui. Vous faites appel à ce service des fois aussi, quoi. Vous allez les voir pour ça, s'il y a besoin. Ben non, parce que j'ai un ami qui avait un magasin de vélo. Ah. Je vais chez lui. D'accord. Oui. Et alors, c'est quoi votre vélo? Quel style de vélo vous avez? Un vélo de course? Non, alors jusqu'à 84 ans, j'avais un vélo normal, hein, avec des vitesses. Et je montais le Penarstang 3 fois par semaine pour aller jouer au ping-pong. Et je voyais rarement quelqu'un monter le Penarstang. Et puis, à 84 ans, mon médecin de sport m'a dit, écoutez, à cause de l'arthrose dans vos genoux, il vaut mieux que vous preniez un vélo à assistance électrique. Voilà. Et je dois dire qu'à mon âge maintenant, ça me sert bien. Oui, Oui. vous pouvez remonter la côte de Oh, Penarstang. sans effort, hein. Sans, Ouais, d'accord. oh non, ça c'est. Ok. Oui. Et ça doit faire du bien sûrement au corps de continuer à faire du vélo jusqu'à des âges avancés. Ah ben je crois que oui, je crois que plus on avance en âge, plus on a besoin de bouger.
et faire des efforts et faire les choses soi-même. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter qui vous est arrivé avec votre bicyclette? Une fois à un certain âge, tous les soirs, je rentrais à la maison et j'habitais à côté d'une grande forêt où il y avait un tour d'environ 10 km. Et tous les jours, j'y allais, je faisais mon tour et j'essayais de battre mon record tous les jours. Et j'ai toujours ça encore en moi. Parfois, je vois des gens, j'essaye de je donne tout ce que je peux, mais je ne devrais pas. Vous faites combien de kilomètres aujourd'hui, enfin, ou dans la semaine, maintenant? Non, je regarde mon compteur et voir en fin de journée. Il y a des jours où je fais que 5, il y a des jours où je fais 25. Mais en moyenne, ça doit être 15 kilomètres par jour. D'accord. Avant, je pouvais faire aller à Pont-l'Abbé à vélo et revenir. Ça ne me faisait rien, mais maintenant, je n'ai plus la force. Et vous allez autant au centre-ville que sortir de la ville? Mais en fait, non, je suis surtout centre de ville. On a quand même le halage pour aller derrière la gare. Hein. Donc, quand je vais chez Leclerc, je vais par le halage. Quand je vais chez Action ou But et tout ça, j'ai aussi le halage dans quand même une route. À l'écart des voitures. Donc, on traverse après un bois, après l'église de Locmaria, puis il y a des étangs, c'est super, puis on a une vue sur la rivière à marée haute, on dirait un lac, puis j'arrive dans un petit bois là plus haut où parfois je vois dans Quimper un chevreuil. Donc, c'est super Quimper. Il n'y a pas d'autre ville comme ça. Pour le vélo, moi je trouve que c'est bien. Sauf en Hollande, où là ils ont vraiment... Mais comme il y a des millions de cyclistes, le gouvernement a plus d'argent pour eux, pour faire des pistes cyclables. Hein. C'est ça cet accent qu'on entend? Ça s'entend hein, quand même. Non, je suis bruxellois. Ah d'accord. Oui. Il y a pas mal de pistes cyclables aussi à Bruxelles, il me semble. Hein. C'est moyen. Non, mais ce qu'il y a à Bruxelles, et ici qu'on ne fait pas, les gens mettent des gilets jaunes. Hein. Et c'est ici, même le soir, la nuit, on voit des gens rouler sans lumière et tout ça. Non. Moi, j'insiste pour avoir le gilet. Il faut être bien vu. J'ai un ami, il a été heurté par une voiture parce qu'il avait le soleil en pleine figure. Mais je me dis, s'il avait eu un gilet plus visible, probablement que l'automobiliste l'aurait vu. Et les voitures, elles ne vont pas trop vite? Non, ce qu'elles ne savent pas les voitures, c'est que le vélo n'est pas stable. Il bouge. Il y a suivant les bosses, les petits trous dans la rue. Et une auto, c'est très stable malgré les petites dénivellations et tout. Alors, ils ne se rendent pas compte que le vélo fait un peu zigzag. Et souvent, les automobilistes roulent trop près. Et alors, il y a parfois les bus aussi, ils vous rasent. Très bien. Alors, est-ce que vous conseilleriez aux gens de se mettre à faire du vélo? Ah ben, c'est certain. Quels sont les bénéfices? La santé. La santé. Oui. Et rester alerte. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est une joie. Le vélo est beaucoup plus convivial que la voiture. Alors, oui, aussi, je dis, le vélo, l'auto vous stresse et le vélo vous déstresse. Alors, quand vous êtes en voiture, dans Quimper, comme on connaît des gens, et qu'on les voit sur le trottoir, on ne sait pas communiquer avec eux. Eux, ils ne savent pas que vous êtes dans la voiture. Mais quand on passe à vélo et qu'on se voit, on dit « Allô, c'est simple, c'est amical et tout. » C'est quand même beaucoup plus convivial un vélo qu'une voiture. Vous êtes prêt pour le Tour de France? Oh, ben, on n'a pas voulu de moi. On m'a dit que j'avais trop d'années d'expérience et qu'il fallait laisser la place aux jeunes. Merci Henri.